On est mercredi 24 janvier, voici les titres. Célébration du 40e anniversaire du corps de la gendarmerie nationale, c'était ce matin au PK23 sous le patronage du Premier ministre. Et double attentat à la voiture piégée à Benghazi en Libye, au moins 33 morts. Merci à vous de nous rejoindre sur Télé-Djibouti. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé ce matin la cérémonie marquant la célébration du 41e anniversaire de la création de la gendarmerie nationale. Cette cérémonie s'est déroulée au camp d'instruction Cheikh Moussa, le CICM, situé au PK23. Ce corps d'armée célèbre en même temps le 19e anniversaire de son autonomie. Et dès son arrivée, donc, le Premier ministre a été accueilli par le ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoune, et le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden. Et avant de prendre place à la tribune officielle, le Premier ministre a d'emblée passé en revue les troupes alignées sur place. Le ministre de la Défense et le chef d'état-major de la gendarmerie nationale le suivant de près. Cette cérémonie donc riche en couleurs a regroupé plusieurs membres du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, le procureur général, le préfet de la région d'Arta, le président du conseil régional, des représentants du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales et plusieurs autres invités. Rappelons que la gendarmerie nationale, peu après l'indépendance du pays, faisait jusqu'alors partie des forces armées. Elle a ensuite bénéficié d'un commandement autonome. Et dans son allocution, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, a indiqué que la gendarmerie répond aux attentes de la population en matière de sécurité, et ce, à tous les niveaux. Il a précisé que la gendarmerie participe à la sauvegarde de la paix au niveau du pays et ailleurs du fait du déploiement des unités de la gendarmerie en Somalie, en République démocratique du Congo, en Centrafrique et à Haïti notamment. On écoute le colonel. Je voudrais pour commencer saluer la mémoire de nos camarades d'armes tombés sur le champ, dans leur service commandé,
ou qui nous ont quittés courant l'année dernière. Je voudrais particulièrement saluer la mémoire du feu lieutenant Mohamed Ibrahim Ali, alias Rambo, officier de valeur et commandant du peloton motocycliste qui nous a brutalement quittés le 10 juin 2017. Nous prions le Seigneur miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel et renouvelons nos vives condoléances à sa famille. Officiers, sous-officiers, gendarmes, c'est avec force et justice que la gendarmerie œuvre à tout instant pour accomplir au mieux ses missions régaliennes et répondre aux attentes de notre gouvernement et de nos compatriotes en matière sécuritaire. Dans un monde de plus en plus globalisé, les menaces sécuritaires évoluent et celle du terrorisme n'est pas ni notre pays ni notre région. Pour relever les défis complexes des sécurités, la gendarmerie se veut de plus en plus compétente, proactive et porte ses efforts sur la prévention. Sur le plan international, la gendarmerie poursuit son engagement à l'effort de paix au niveau régional et continental. Nos gendarmes sont déployés aux côtés des FAD en Somalie, en République démocratique du Congo, en Centrafrique, mais aussi en Haïti. Ces dernières années, les attributions de la gendarmerie nationale se sont accrues sans cesse et nos personnels déployés sur tous les fronts de la sécurité. Son spectre d'action se diversifie d'année en année. Ces nouvelles attributions, particulièrement exigeantes en personnel, nous ont contraints à une réorganisation de nos formations et une réaffectation des moyens et de nos personnels. Officiers, sous-officiers, gendarmes, pour préserver ses valeurs traditionnelles, la gendarmerie doit rester juste et forte, assumer sa place légitime sur l'échiquier de la sécurité publique et se déployer davantage où ses missions l'appellent. La gendarmerie a toujours attaché un intérêt particulier à la discipline, au respect de ses valeurs qui font le rayonnement de notre institution. Les savoir-faire en matière de sécurité de tout gendarme trouvent son pilier dans la formation à tous les niveaux, afin de cultiver l'excellence, de parfaire et de maintenir le niveau professionnel de ses personnels, la gendarmerie a érigé en priorité l'instruction de ses hommes. Dans le cadre de notre programme d'informatisation et de modernisation, la gendarmerie a finalisé la connexion de toutes ses unités à son réseau intra-genre, qui permet une circulation rapide des messages opérationnels. Elle a aussi rendu opérationnel le réseau e-trafic, qui permet aux unités agissant au niveau des différents corridors routiers un accès aux bases de données des services des mines. L'essentiel de nos véhicules, différentes unités de gendarmerie, ont été dotées d'un système de géolocalisation embarqué, suivi et contrôlé à temps réel à partir du centre opérationnel de la gendarmerie. Officiers, sous-officiers et gendarmes. Pour ce qui est des projets pour l'année 2018 qui s'annoncent, la gendarmerie s'inscrit dans la même logique de développement et de renforcement des capacités à tous les niveaux. D'une part sur le plan de l'amélioration de la qualification des ressources humaines et d'autre sur le plan des infrastructures ainsi que sur le plan institutionnel. Nous poursuivrons aussi la mise en œuvre de notre politique de redéploiement des personnels et de réarticulation des moyens dans les régions de l'intérieur ayant pour but l'optimisation du maillage car pour la gendarmerie, des nouvelles attributions consécutives au développement et à l'essor économique de nos pays se profilent à l'horizon. C'est à travers toujours vos actions, vos comportements de tous les instants que se forge notre institution. Avant de terminer, je voudrais adresser mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, de son soutien constant. Excellence, Monsieur le Premier ministre, permettez-moi aussi de vous renouveler mes remerciements pour votre présence qui nous honore et votre soutien de tous les jours. Je voudrais aussi adresser mes remerciements à son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense, pour son soutien constant, ainsi que tous les membres de notre gouvernement pour l'appui et la confiance accordés à notre institution. Officiers, sous-officiers, gendarmes et personnel civil de la gendarmerie, je voudrais enfin vous souhaiter à tous et à vos familles une bonne et heureuse année 2018, pleine de santé, de bonheur et de prospérité. Et pour sa part, le Premier ministre Abdelkader Kamil a salué ce corps d'armes et a indiqué que la gendarmerie nationale est indispensable pour le pays. Il a indiqué que les gendarmes ont toujours fait preuve d'exemplarité, ont été proches des concitoyens et doivent en permanence relever le défi de leur formation et modernisation. On l'écoute. La gendarmerie, comme elle le fait si bien, doit relever trois défis. Le défi de l'exemplarité, le défi des proximités, le défi de votre modernisation.
D'abord, le défi de l'exemplarité, car votre institution est un des piliers de l'autorité de l'État. Il vous oblige à l'exemplarité personnelle et collective. Il vous oblige au respect dû à chacun des citoyens. Il vous oblige enfin à la droiture et au sang-froid. Être gendarme exige un grand courage dans vos missions de sécurité et d'investigation, car face à la violence, à la délinquance et à la criminalité qui traversent toute société, les gendarmes comme les policiers sont en première ligne. L'insécurité n'est en effet acceptable nulle part, à quelque degré que ce soit. Vous constituez ensemble notre plus solide rempart pour défendre l'état de droit. Contre tout ce qui risquerait de miner la communauté nationale, les gendarmes et les policiers sont les gardiens de nos valeurs, de nos libertés fondamentales, les garants de la paix civile, du respect de la loi que nul ne peut ignorer et devant laquelle tous les citoyens sont égaux. Appartenir à la gendarmerie, c'est ensuite relever le défi de la proximité. En protégeant nos concitoyens, en particulier les plus faibles d'entre eux, qui sont les premières victimes de la délinquance, avec l'inacceptable manifestation de la loi du plus fort. Là réside votre devoir. Vous devez également veiller à préserver les liens de confiance établis avec la population et les différents acteurs du territoire sur lesquels vous intervenez. Plus que jamais, la menace terroriste est présente dans les pays voisins et nous, nous ne sommes pas encore à l'abri. C'est ainsi que la nation compte sur vous pour préserver de cet ennemi terroriste d'autant plus dangereux qu'il est mondialisé, qu'il exerce une violence aveugle et qu'il est prêt à utiliser les manipulations les plus ignobles pour tenter d'inquiéter nos concitoyens et saper nos propres valeurs. Vous êtes les sentinelles de ce combat qui nous concerne tous. C'est tout le sens des décisions prises par le président de la République, chef suprême des armées, afin que la mobilisation des forces de sécurité et de défense se fasse autour d'une vision claire de gouvernance sécuritaire qu'il convient de mener avec méthode, organisation et compétence pour répondre à une forte exigence de sécurité pour tous les Djiboutiens. Enfin, afin que vous puissiez accomplir avec une efficacité accrue l'ensemble de vos missions, nous allons continuer en 2018 à renforcer et rénover les outils dont vous disposez afin de relever le défi de la modernisation. Pour cela, je vous encourage à continuer la montée en puissance du camp Cheikh Moussa dans le domaine de l'infrastructure pédagogique et des sites d'instruction ainsi que vos capacités d'hébergement. Ainsi, vous respecterez votre dogme annoncé en janvier 2013, l'instruction toujours, l'instruction pour mieux servir. Mais également, je vous engage à préserver dans votre politique des redéploiements dans les régions de l'intérieur. Et avant le défilé des différents escadrons de la gendarmerie, le Premier ministre donc a déposé une gerbe de fleurs en mémoire de tous les gendarmes tombés en service commandé.
Et la fanfare donc a ouvert la parade par la suite. Elle a été suivie par le personnel féminin, puis le détachement des officiers du service judiciaire chargés des enquêtes qui leur sont confiées par les magistrats instructeurs. Se sont ensuite présentés le groupement des forces spéciales et le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale, le GIGN, qui a fermé les rangs du défilé militaire. Ce défilé a été fortement applaudi par les membres du gouvernement et les personnalités présentes. Et après ce défilé organisé pour marquer le 41e anniversaire de la création de la gendarmerie nationale, tous les invités, en tête desquels donc se trouvait le Premier ministre Abdelkader Kamel, ont été conviés à partager un copieux déjeuner. Ils ont dégusté des petits fours, quelques autres douceurs ou gâteries. Les invités ont en même temps suivi un programme musical et folklorique. Regardez. Et toujours en nouvelle nationale, donc le ministère de l'économie et des finances a organisé ce matin un atelier de réflexion sur la création d'un organe de régulation devant à la fois sauvegarder les intérêts de l'État, des entreprises publiques et privées sans porter préjudice aux consommateurs. Cet atelier est organisé avec l'appui de la Banque mondiale. Alors à ce moment, quelle sera l'utilité de cet organe? Eh bien Ahmad, les participants à cet atelier ont beaucoup échangé sur l'utilité de la création d'un tel organe qui existe dans d'autres pays. Eh bien, un expert sénégalais, Abdoulaye Sako, dépêché par la Banque mondiale, a indiqué qu'un tel organisme permettra de réguler les rapports entre les différents acteurs. Il permettra de soustraire le consommateur des pressions qu'il subit au niveau de la hausse des prix et de la qualité des produits vendus ou des services rendus. Eh bien, il s'agit, selon lui, de créer les bonnes conditions de fonctionnement d'un système libéral mais réglementé. Cet organe, Ahmad, doit pouvoir s'ancrer dans une économie de marché ouverte et compétitive. Eh bien, il conditionne l'apparition d'une nouvelle, d'une économie viable et prospère qui contribuera bien sûr à attirer les investisseurs. Cet organe de régulation permettra ainsi d'instaurer un nouveau système de bonne gouvernance souhaité par le chef de l'État. Cet atelier de réflexion a vu la participation, outre du ministre de l'Économie et des Finances, Kylias Moussa Diawalé, du représentant de la Banque mondiale, à Tusek, le ministre des Postes, de la Communication des Postes et Télécommunications, Abdou Youssouf Suguet, le directeur général de Djibouti Télécom, le directeur de l'ANPI, le secrétaire général de l'économie, Mariam Hamadou, le représentant du FMI à Djibouti, Joseph Karwanga, et divers autres acteurs de l'énergie, de l'habitat, du bureau des affaires juridiques. Merci Asma. Et par la suite, le ministre des Finances, Kylias Moussa Diawalé, a dans son allocution souligné que pour un meilleur fonctionnement de l'administration publique et privée et pour une protection du consommateur lambda, un organe de régulation serait d'une importance capitale. On écoute le ministre. Les entreprises publiques jouent un rôle capital dans la transformation de Djibouti, notamment pour 10 d'entre elles, représentant environ 60% du PIB de Djibouti. On sait également que leur rôle futur
sera de plus en plus marqué par une plus importante part sur le plan individuel, en tout cas pour chaque entreprise, de prendre encore plus de parts dans le PIB. Ça veut dire également que ces institutions, comme au niveau de l'administration publique, comme au niveau de l'environnement des affaires, vont avoir à jouer dans des secteurs très concurrentiels. Et c'est à ce titre qu'on souhaite voir ces entreprises vraiment prendre l'envol nécessaire. Et pour cela, ces entreprises, dans le cadre de la loi sur la gouvernance qui a été adoptée, promulguée, mais plus généralement sur l'intérêt de voir des institutions de régulation qui puissent protéger les intérêts des différents acteurs. Bien sûr, l'intérêt suprême de l'État actionnaire, mais également des opérateurs. Nous avons également le secteur privé qui attend beaucoup de ces institutions, de ces entreprises publiques, et plus généralement les consommateurs, les Djiboutiens lambda, qui souhaitent également bénéficier sur différents niveaux des activités et la performance de ces entreprises. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Alors, Ali, en Libye notamment, double attentat à la voiture piégée à Benghazi, au moins 33 morts. Vous l'avez dit, donc la première explosion s'est produite au moment où des fidèles donc sortaient d'une mosquée, malheureusement après la prière, dans le quartier d'Al-Salmani. Environ 10 à 15 minutes plus tard, après l'arrivée sur le lieu des secours et des forces de sécurité, une deuxième explosion à la voiture piégée s'est produite, Ahmad, plus puissante que la première. Cette explosion a atteint une ambulance et causé un grand nombre de victimes. Des soldats et des civils font partie des personnes tuées. Un membre des services de renseignement figure parmi les dizaines de blessés, c'est ce qu'ont annoncé les autorités locales. Après 3 ans de combat, les forces du maréchal Khalifa Haftar, donc l'ANL, donc l'armée nationale de libération, a annoncé fin décembre avoir pris le dernier quartier de Benghazi, encore tenu par des combattants extrémistes. Et direction le Brésil, Ali, où un procès en appel à haut risque pour Lula, un important dispositif de sécurité, a été déployé à Porto Alegre, dans le sud du Brésil. Eh bien, l'ancien président Lula da Silva n'assistera pas en personne à son procès, mais il est venu hier soir à la rencontre des dizaines de milliers de partisans qui se sont rassemblés à proximité du palais de justice de Porto Alegre, des militants qui réclament l'acquittement de l'ancien président qui désire briguer un nouveau mandat en octobre prochain. Sans rentrer dans les détails juridiques, Ahmad Lula da Silva a surtout envoyé un message politique fort de défense de la souveraineté nationale et de l'intégration latino-américaine. Le sort de Lula da Silva est entre les mains de 3 magistrats. Ils devront décider s'il a bel et bien reçu des pots de vin dans le cadre du scandale de corruption à Petrobras, l'entreprise pétrolière publique. Le jugement n'est pas définitif, des recours seront encore possibles de part et d'autre, mais le procès se déroule dans une ambiance survoltée, car Lula est un symbole fort pour le Brésil. De plus, il caracole donc toujours en tête dans les sondages, et pour ses partisans, une élection sans Lula da Silva serait donc une fraude. Merci Ali pour toutes ces précisions. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé-Djibouti.